je vois des choses absurdes sur les réseaux. Il y a une certaine meuf, je dirai pas son nom parce que flemme, mais elle fait une fixette sur moi. Mais ça fait limite peur. C'est-à-dire que là, dernièrement, bah, on sait qu'avec Nono, bah, on travaille un petit peu notre lifestyle, nos stories, nos feeds, etc. La meuf, elle contacte les mêmes appartements, elle contacte les mêmes photographes, elle fait les mêmes looks que moi. Et je sais même, via une copine à elle, comme quoi elle aurait avoué qu'elle me copiait totalement. Sauf qu'il s'agirait, meuf, toi qui regardes mes stories, vu que tu m'as bloqué, mais je sais très bien que t'as un faux compte et que tu regardes mes stories, il s'agirait de doser ta fixette et ta personnalité. Vous savez les gars, je suis à deux doigts de vous faire un montage pour vous montrer genre ses photos, ses looks, comme c'est la même chose que moi. Enfin vraiment, ça fait flipper. Je sais pas, c'est sûr qu'entre influenceuses, forcément, bah... on peut s'inspirer, on peut kiffer un compte et peut-être s'inspirer bah, un petit peu des looks, un petit peu du feed Instagram, ça en vrai je comprends. Mais là frère, dose ou au moins attends un mois pour contacter les photographes, les appartements ou j'en sais rien, achète-toi un style. Je comprends que t'as pas de personnalité, mais enfin c'est ça. Bon, je sais qu'on a quelqu'un en commun dans notre passé. Je sais qu'à déjà à cette époque-là, tu faisais une fixette sur moi. C'est vrai que t'as fait la même télé que moi. Enfin bref, t'as tout fait comme moi en fait. Franchement, je te jure, ça fait vraiment flipper, vraiment meuf. Donc écoute, en vrai, ces stories en plus, ça me saoule de parler de toi parce que je m'en bats tellement dans les couilles. Et en plus, à la limite, tu vois. Si tu t'inspirais de moi, enfin copié du coup, mais que tu parlais pas de moi, mais en fait, c'est quoi ton intérêt? Tu me dénigres H24, tu parles H24 de moi, à dire que t'es meilleur, que si, que ça. Mes frères, personne te calcule, et encore moins moi. C'est toi qui me calcule, et franchement, je te le dis, arrête, parce que je vais finir par faire des montages, comme ma pote Maïsan, c'est trop drôle, ça va être très très, très drôle. Donc, bah écoute, essaye s'il te plaît d'arrêter de me copier, essaye d'arrêter de contacter bah, tous les gens avec qui je travaille, parce que ça fait peur. Si tu veux, je te donnerai mes futurs collabs en avance, comme ça tu les as en...